nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, 34e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Une célébration qui marque la fin de l'année liturgique, la fin d'une année liturgique, et nous tourne vers l'année nouvelle avec le temps de l'Avent qui va commencer bientôt. C'est une façon pour l'Église de montrer que le Christ transcende l'histoire, l'histoire dont il est l'alpha et l'oméga, l'origine et le but, donc le maître, le seul vrai maître. Et le Christ la transforme, cette histoire. Il la transforme par son amour, qui l'éclaire et la conduit vers son achèvement. Et nous sommes invités, tous, toutes et tous, invités à être non pas simplement des sujets de son royaume, mais à en être les bâtisseurs, en nous laissant transformer par l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Et c'est ce que je vous invite à faire, ce que nous allons faire au début de cette célébration, en accueillant le pardon de Dieu, en accueillant l'amour de Dieu, et en pardonnant mutuellement aussi nos offenses, nos différents manquements à l'amour fraternel, malveillance, esprit de domination, inattention, jalousie, ambition, égoïste parfois, et autres contre-témoignages de la charité fraternelle universelle. Ensemble avec les anges dans le ciel, en communion avec nos frères et sœurs à travers le monde, chantons la gloire de Dieu. De paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit, et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts.
En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu
étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service. » Il leur répondra: « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Et bienvenue à cette célébration de la solennité du Christ, roi de l'univers, le Christ, roi de la charité universelle. Au jour de sa passion, à Pilate qui le questionnait devant ses accusateurs, Jésus répondit: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit: « Tu es donc roi ?» Jésus répondit: « Tu le dis, je suis roi. » Le Christ est donc roi. Il est même le roi de l'univers, mais d'une royauté à nul autre pareille. Sa royauté n'est pas de ce monde. Souvenons-nous de la demande de Salomé pour ses fils Jacques et Jean. « Voilà mes deux fils, dit-elle à Jésus. Ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » À cette demande, Jésus répond: « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Frères et sœurs, vous le voyez, c'est un royaume à l'envers des royaumes de ce monde. Ces deux passages de la discussion avec Pilate, d'une part, et de la demande de Salomé, Madame Zébédée, d'autre part, indiquent à la fois ce qu'est la royauté du Christ et ce qu'elle n'est pas en comparaison avec la royauté de ce monde. L'histoire nous laisse voir comment la royauté de ce monde s'établit par la ruse, les tromperies, les trahisons, la dictature et la terreur parfois. Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent, répétait souvent l'empereur Caligula. Des Caligula, il y en a toujours eu. Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Tout le contraire de la royauté du Christ qui s'établit par l'amour et dans l'amour. Oui, frères et sœurs, la royauté du Christ n'est pas une puissance militarisée avec une armée de défense, des serviteurs prêts à se battre pour leur roi. Elle n'est pas non plus une mainmise sur une communauté ou des biens par ambition personnelle. Elle n'est pas un pouvoir coercitif et oppressif. Elle ne s'inscrit pas dans le temps et dans l'espace. Du reste, cette fête placée à la fin de l'année liturgique nous tourne vers
le Christ comme celui qui domine l'histoire, le maître des temps et de l'espace. La royauté du Christ est de l'ordre de l'amour. Elle se vit par la fraternité universelle et dans le service. Dans la parabole de ce jour, il y a l'image d'un Christ à la fois roi, pasteur et frère. Le roi s'identifie au plus petit d'entre ses frères, aux personnes fragiles. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. En résumé, le Christ est le roi de la charité et de la fraternité universelle, le roi du bien et de la vérité selon laquelle Dieu est amour. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus. Et toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. C'est donc par l'amour que Jésus règne et rayonne. Le vrai roi donne sa vie par amour pour ses sujets. Il se met à leur service. En effet, au cœur de sa passion, élevé sur la croix, Jésus laisse déborder son amour. Il laisse déborder son amour dans le pardon qu'il nous offre, dans le pardon qu'il accorde à ses bourreaux et aux pécheurs repentants comme ses larrons, pour qui la promesse du royaume devient réalité. Aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Pour nous qui attendons la manifestation de ce royaume dans un monde qui nous questionne, cette parole du Christ aux brigands repentis est un signe d'espérance, une bonne nouvelle, une lueur d'espoir dans les ténèbres qui peuvent assombrir parfois notre vie, malheureusement. Mais nous savons que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, dit-on, le jour finit par se lever. Nous devons garder donc vive notre espérance. Déjà le jour se lève dans les cœurs illuminés par l'amour. Et la lumière de la charité vécue entre conjoints, en famille, en société et en église éclaire notre condition présente et annonce celle à venir. En effet, la condition pour entrer dans ce règne du Christ, c'est d'être au service des plus pauvres, au service des plus fragiles, au service de la fraternité universelle, d'être ouvrier de la charité envers tous, de pouvoir s'identifier aux plus petits. Le critère ultime du jugement, faut-il le rappeler, c'est la charité fraternelle. C'est la façon dont nous nous faisons proches des autres, les actes par lesquels nous devenons prochains les autres. Ce n'est point la race, la nationalité, le genre, l'âge, la religion, la pratique religieuse, ni l'appartenance à une église. Non. C'est pourquoi les actes que nous posons au quotidien, même les plus anodins, ont une valeur d'éternité. Ils ne disparaissent pas avec le temps. Quand est-ce que nous t'avons vu? Demandent les uns et les autres. C'est une question qui n'a de sens du moins que maintenant, avant le jour du jugement, et qui nous pousse à agir en conséquence. La vraie question, frères et sœurs, la vraie question qui se pose à nous est comment nous nous mettons en condition pour entrer dans le règne de Dieu. Comment servons-nous le roi de la charité universelle dans les plus petits qui sont ses frères, c'est-à-dire dans les affamés, les assoiffés, les sans-abri et les sans-abri, les étrangers et les prisonniers, les pauvres et les malades, ceux qui se sentent perdus ou qui sont exclus. Beaucoup de gens, au cours de l'histoire,
et peut-être autour de nous, ont eu une vie édifiante à bien des égards. Ainsi, le bienheureux Charles de Foucault, cet apôtre de l'universelle et fraternelle charité, disait, au cœur de sa mission en Algérie, « Je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère universel. » Eh bien, Charles de Foucault nous montre à sa façon comment suivre l'exemple du roi de la charité universelle. Lorsque nous appelons sur nous le règne de Dieu dans la prière du Notre Père, par exemple, souvenons-nous que nous devons laisser transparaître l'amour de Dieu en nous, en vivant selon la loi du royaume des cieux, la loi de la charité universelle. Que Dieu nous en donne la force aujourd'hui. Amen. Chers frères, chers sœurs, ensemble nous proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle à entrer dans son règne d'amour, de justice et de paix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Unanime dans cette foi et dans la confiance, nous présentons au Seigneur nos supplications pour notre monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Ton Fils, roi de l'univers, a promis le royaume à ceux qui seraient attentifs aux plus petits. Prions, afin que notre Église soit accueillante aux exclus, aux malades et aux brebis perdues, et que tous les chrétiens se sentent investis de cette mission, participant ainsi à la venue de ton royaume
de justice et de paix. Notre Père, que ton règne vienne. Tu as créé l'univers et envoyé ton Fils pour sauver tous les hommes. Prions, afin qu'en ce temps de confinement, d'incertitude sur l'avenir et de maladie, nos dirigeants gouvernent avec sagesse, afin que chacun puisse retrouver confiance et espoir. Notre Père, que ton règne vienne. Ton Fils est venu apporter un message de paix à notre monde, alors qu'un nouveau conflit en Arménie amène son lot de massacres, de misères et de déplacements de population. Prions, afin que ce peuple chrétien, déjà victime d'un génocide, ne soit pas à nouveau oublié des instances internationales. Notre Père, que ton règne vienne. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple qui te supplie. Écoute la prière de toutes ces familles réunies qui te glorifient et se confient à ta miséricorde, à ta bonté et à ta bienveillance. Donne à tous les hommes la joie d'être sauvés. Donne à ton peuple de marcher dans la lumière de ton amour, dans la voie du salut, et d'entraîner vers toi ceux que tu touches par ta grâce. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du labeur des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À nos pauvres de ce bon Seigneur, que nous connaissons la puissance de Dieu qui nous a demandé. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Jean Tivillier et sa famille, des défunts de la famille qui sera Gervais, de Jean Guillet, Marie-Antoinette Bouchon, des défunts de la famille Bouchon-Guillet, Abel et Germaine Joly, André Desjours, Christian Grimal et des prêtres défunts. Souviens-toi aussi de Gisèle Joseph et de Johannes Multin que nous avons enterrés cette semaine. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Surtout nos frères et sœurs en action de grâce pour leur mariage, pour la guérison et pour tous tes bienfaits, nous implorons ta bonté. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, réunis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans l'intimité
avec le sourire. Appel Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, ton prix qui s'anime dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que je t'offre mon cœur, en attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit, viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enfin dans ton être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Oh.
Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la gloire, dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie, notre mère, pour lui confier notre journée, pour lui confier ce dimanche, pour lui confier notre monde, pour lui confier particulièrement tous nos frères et sœurs malades. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, juste une petite information. D'abord, je voudrais vous dire que Père Bruno va bien. Il va bien. Dans son repos, il reste en communion fraternelle avec nous. Et il vous transmet toute son amitié. Merci en tout cas pour vos prières à son endroit. Merci pour vos multiples soutiens. Aujourd'hui, entre 15h et 16h30, le Saint-Sacrement sera exposé en l'église Saint-Séphorien en Bérieuville pour de brèves visites eucharistiques avec la possibilité de la communion sacramentelle pour ceux d'entre vous qui le désirent. Donc, entre 15h et 16h30, en l'église Saint-Séphorien, le Saint-Sacrement sera exposé pour vous permettre d'avoir de brèves visites eucharistiques avec la possibilité de recevoir la communion sacramentelle. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Dieu le Seigneur est près de nous, règne dans sa vie.